Alors, le choix du pavillon Dauphine est relativement simple parce que ça correspond à l'image finalement de notre association, qui est de trouver un lieu convivial, de bon standing, et surtout, c'est maintenant un point de repère pour tous les gens qui viennent de province. Et donc, c'est une occasion de se retrouver avec beaucoup plus de facilité que les années précédentes où on changeait à chaque fois de lieu. Les personnes qui viennent assister à cette journée sont tous nos membres actifs qui n'ont pas souvent l'occasion de venir à l'association ou de bénéficier des services de l'association. Donc en fait, c'est surtout ce public-là pour lequel nous dédions cette journée et nous faisons en sorte qu'elle soit le plus réussie possible. Le but de cette journée, c'est de développer les compétences des credit managers qui n'ont pas forcément le temps, quand ils sont en entreprise, de penser à un certain nombre d'aspects de leur métier qui peuvent être fondamentaux. Donc notre mission, notre objectif, et le mien en tous les cas, c'est de leur apporter à travers des thématiques extrêmement diverses, des points d'éclairage nouveaux pour enrichir leur bagage. Alors des conférences très différentes les unes des autres, avec des thèmes toujours aussi intéressants, la pertinence des interlocuteurs, un public manifestement intéressé, donc un beau travail quoi. Pour les différents points qui seront un petit peu communs, c'est le changement, l'évolution, de ne pas avoir peur sur ce qui peut être de nature à être anxiogène, et au contraire, être positif et être moteur dans ces évolutions. Alors concernant la qualité des intervenants, c'était des spécialistes à mon sens, donc ils connaissaient bien leur métier et ils connaissaient bien le domaine dans lequel ils travaillent. Dans son ensemble, je trouve que la journée crédit est vraiment intéressante pour les crédit managers. Elle permet de se retrouver entre crédit managers, d'échanger sur les bonnes pratiques et puis d'apprendre également. Oui, nous allons bien sûr organiser ce type de rendez-vous l'année prochaine car c'est un succès depuis maintenant 3 ans et même les années précédentes, mais encore plus depuis 3 ans, et ça sera probablement ici.